Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Around Burge. Merci de vous abonner. Oui les gars, regardez et dites-moi que ce n'est pas vrai les gars. Aïcha Tremblay, enceinte de Sidiki Diabaté. Les gars, ce n'est pas moi qui l'affirme. Voici la vidéo pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager les gars. Dites-moi si réellement ce que la fille l'a dit, si c'est vrai ou bien c'est faux. Est-ce que Sidiki Diabaté? Non, je ne pense pas. Les gars, je ne pense pas. Donc voici la vidéo pour vous les gars et on se capte après la vidéo les gars. Tu peux répondre pour ceux qui suivent pas là. Tu dis que quand ils sont partis en France là, oui. Aïcha avait disparu, avait dit Dieu Domi, c'est ça? Oui, elle dit Dieu Domi là, qu'ils étaient partis demander asile tout et autres là. C'est faux. Ils n'étaient pas partis demander asile. Ils étaient partis voir Sidiki Diabaté après son concert. Ils sont partis voir Sidiki Diabaté à son appart. Et c'est dans ça, Didier Domi a décidé d'aller acheter, c'était pas c'était quoi, ouais. C'est dans ça, Didier Domi a laissé Sidiki et puis Aïcha dans l'appartement là-bas, dont lui il est parti. Non, en son retour, qu'il est venu trouver, Aïcha était en larmes. Il demande à Aïcha, Aïcha tremble, ne veut pas parler. Donc c'est dans ça, ils se sont déclarés maintenant que non, ils n'étaient pas perdus, oh là là, ils étaient partis faire les achats, tout et autres. C'était faux. Faux et faux, faux. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés au pays. Tout récemment par rapport à leur accident là. Tapotez le live s'il vous plaît, partagez, tapotez le live s'il vous plaît. Faut parler ma belle. Par rapport à l'accident là. Ils étaient quittés dans le village Aïcha Tremblay, puisque ses parents savaient que maintenant Aïcha Tremblay était enceinte. Donc les gars quittaient le village pour venir en ville maintenant. Donc c'est dans la discussion de ça, dans la voiture, ils sont restés, ils ont eu un accident. Look Beresh. C'est la partie du film qui m'intéresse. Donc, arrivé à l'hôpital maintenant, il veut soudain le médecin pour que tu vois l'affaire au fait. Pourquoi qu'on tue le pour dire que non, c'est par rapport à l'accident que non, dont la petite a perdu son enfant, tout et autre. Il a dit que... Parce que moi, j'ai un ami au bout. Tapotez le live, hein, tapotez. Pour ceux qui ne comprennent pas, il y a la vidéo sur mon compte, la première vidéo de mon compte qui est épinglée, là, ça parle de ça. Vous allez avoir tous les bérets. Tapotez, sinon, elle ne continue pas le béret. Parce que vous êtes combien? Vous voulez vous affirmer, vous ne voulez pas tapoter, vous ne voulez pas savoir. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais on ne veut pas tapoter. Tapotez le live, elle va parler. Faut parler, ma belle. Donc, moi, j'ai un ami là-bas, bébé Chega, là, avec Bassa. On dit c'est de quel Sidiki, ma chérie? Attends, il y a deux Sidiki au Mali ou bien? Ah, ils veulent pas le voir faux à tout ce qui est venu, dit que non, il n'y a pas son deux dans notre pays, là, c'est de lui que je parle. Donc, s'il y a deux là-bas, donc quand tu commençais à chercher le deuxième là-bas, sinon c'est lui qui est venu dire qu'il n'y a pas son deux dans notre pays, là, c'est de lui moi je parle. Donc, c'est comme ça, moi, j'appelle mon ami Bassa, pour ceux qui le connaissent, avec bébé Chega. Donc, c'est comme ça, moi, je les appelle. Ah, puisque avant, j'étais dans le showbiz, donc je les appelle. Ah, comment va Aïcha Tremblay? J'espère qu'elle va bien, tout et autre. Que non, bon, ils ont eu un petit égratignure, donc apparemment, ça va. Donc, c'est comme ça, lui, il me dit que non, apparemment, André Lago est enceinte, donc il veut faire un truc camouflé du genre là-bas. Puisque les parents de la petite sont déjà au courant, eux, ils ne savent pas comment ils vont faire. Donc, lui qui l'a enceinte en question, dit qu'ils n'ont qu'à couper le discours là, ils n'ont qu'à faire comme si c'était un accident qui a fait quitter la chose. Non, les parents se pointent à l'hôpital maintenant. C'est la partie des filles, bébé. Si t'étais là. Tapoté, elle va nous expliquer. Expliquer la partie du film de l'hôpital. Hey, on doit pas manquer ce dossier. Le live est monté, on a Jim, on a quoi? Ils n'ont qu'à tapoter. Prince Sakola, tous ceux qui viennent parler, c'est que la vérité qu'Aïcha même a dit à ses parents là, tous ceux qui viennent parler de ça, Prince Sakola dit c'est faux. Si c'est faux là, on va te faire monter, toi et puis ton Siri qui là. Même les grands stars de Côte d'Ivoire, ils viennent démentir ici. Il a dit qu'il n'a qu'à venir. Aïcha a tremblé. On dit que tu es enceinte. J'espère que c'est faux. Taguez-moi ici, Aïcha Tremblay. J'espère que c'est faux. Tu es devenue star, ça fait combien d'années?
Tu es devenu star là. Ça fait combien d'années? Tu as économisé. Tu as économisé. Tu vas lire. Si tu es enceinte, tu vas lire. Ta starmania là, si tu es enceinte là, tu vas voir ça. Ça dit, les gens vont t'oublier. Tu penses à ton âge là, tu peux faire starmania et enfant. À ton âge là, tu as besoin de bosser dur. Et après, penser à une vie de famille. Parce que tu es encore très jeune. Toi, tu laisses ça. Tu vas te faire enceinte. J'espère que c'est faux, que tu n'es pas enceinte. Mais si tu es enceinte, Aïcha, j'espère que tu as économisé beaucoup. Hein. J'espère que tu as économisé beaucoup d'argent. Sinon, tu vas voir. Tu n'as pas quoi. Oh, mais pas de vous, les jeunes filles là. Vous ne vous restez pas tranquille. C'est dans... Oui, les gars, dites-moi, est-ce que ça c'est vrai ça? Ça c'est vrai que Aïcha serait enceinte de Sérékki Diabaté? Je ne pense pas. Puisque la fille qui raconte, est-ce qu'elle était là-bas? Elle racontait ça comme si elle était présente quand tout se passait. Donc les gars, nous devons vraiment se méfier sur les réseaux sociaux puisque certains sont là juste pour chercher de la visibilité. Pour profiter des buzz, créer des buzz et puis faire un peu de, et puis se faire de nom quoi. Sinon, en attendant, on attend une sortie officielle bien communiquée de DJ Domi pour mettre un peu les choses au clair quoi. Parce que tout le monde raconte la même chose sur le net. Que c'est Sérékki Diabaté, Aïcha Tremblay ancienne, et c'est Sérékki Diabaté, tous les gars. Pour le moment, on ne sait pas si c'est vrai ou bien c'est faux. Donc nous tous, nous attendons impatiemment la sortie de DJ Domi pour nous dire si réellement Aïcha Tremblay est ancienne ou bien peut-être une sortie de Aïcha Tremblay. Vous savez, si elle est ancienne, on va forcément savoir si elle... Elle fait une publication, sortie vidéo et tout. Sûrement, la vérité sera au dehors. Donc, les gars, soyez scotchés. N'oubliez pas de vous abonner. Et dès que la vérité sort là, je vais balancer ça ici. Chap, chap, les gars. On se capte dans une autre vidéo, les gars. Voici la suite de la vidéo pour vous. N'oubliez pas de vous abonner. Elle est enceinte. C'est vrai ou c'est faux? Hey yo, c'est de l'empereur, man. Il y a des gens qui n'ont pas travaillé dans le pays, là. Ils se réveillent un bon matin comme ça, ils prennent le téléphone, ils activent la connexion et puis ils prennent photo des gens et puis ils mettent ce qu'ils veulent et puis ils balancent. Comme ce qu'il y a un café, ils prennent photo de Aïcha Tremblay, ils mettent en haut, Aïcha enceinte et puis ils balancent. Maintenant ça crée des polémiques partout sur les réseaux sociaux, on demande si la fille est enceinte ou pas. Les gens accusent, humilient les chanceux, les gens accusent DJ Domi, les gens qui sont managers, ils ont des problèmes. Même si elle est enceinte, ça fait quoi? C'est une fille non? C'est une fille, actuellement elle n'a pas 19 ans, elle n'a pas 16 ans. Elle est dans les bons, disons, elle est dans les 18, 20, elle est dans les vingtaines. Donc la chair. Elle peut tomber enceinte, c'est pas un problème. Ou bien elle aussi, elle c'est pas un être humain quoi. Elle peut pas tomber enceinte aussi quoi. Donc elle là, elle est extraterrestre, elle peut pas tomber enceinte quoi. Y'a quoi? Laissez la petite fille tranquille. Toujours vous êtes en tension, elle est enceinte, elle est enceinte, elle est enceinte. Y'a quel plan? Même si elle est enceinte, ça fait quoi? Mais pour dire vrai, elle n'est pas enceinte. Zéro grossesse, c'est juste des polémiques. C'est juste des gens qui n'ont pas travaillé pour inventer des trucs pour pouvoir s'amuser la galerie. C'est tout, elle n'est pas enceinte. Avant-hier. Moi j'étais chez eux là-bas. La photo que vous voyez là, c'est une vidéo j'ai fait capture d'écran. J'étais avec elle là-bas. Elle n'a rien. Elle est tranquille sans problème. On dit on ne peut pas connaître grossesse comme ça. Mais demain, moi j'ai vu Aïcha là. Aïcha n'a rien. Aïcha en pleine forme. Même tout si tu as mis en prestation, ils vont aller prester tranquillement à part de moi. Donc, calme, attendez. Comme grossesse, c'est dans 3 semaines. On connaît les vrais moments là. Donc, attendez, dans 3 semaines, vous allez voir. Elle est toujours cracra, il n'y a rien. Aïcha n'a rien. Même petite grossesse. Elle ne connaît pas garçon. Bon, elle connaît garçon. Bon, il sait pas, elle connaît garçon, elle avait Yankouba qui était là, mais elle n'est pas enceinte. Laissez ça, c'est de l'empereur, man, méchant, méchant. Elle est en vogue actuellement, elle décolle pas au moins. Ça, c'est une vidéo très récente, j'ai fait capture d'écran. Avant, tu es tout près là. Donc, elle est tranquille, elle est pas au moins, elle est tranquille. Voilà, laissez les polémiques bêtes là. C'est de l'empereur, man.